Voici le test ultime des pouvoirs de Jujutsu Kaisen sur Fortnite. Il y a au total deux pouvoirs, la technique vaudou et l'équation imaginaire violet. Pour les obtenir, vous allez devoir trouver un lama qui apparaît aléatoirement sur la map. Alors ce que je vous conseille, c'est d'aller près du personnage Sloane, puis lui acheter des gants cramponneurs. Ensuite, vous lootez aux alentours pour obtenir des armes. Et là, directement, grâce aux gants, vous allez pouvoir rusher les lamas. Quand vous aurez réussi à tuer le lama, vous obtiendrez les deux pouvoirs d'un coup. Alors pour le pouvoir équation imaginaire violet, les dégâts varient entre 100 et 110 contre les joueurs. Par contre, si vous arrivez à toucher un adversaire et qu'en même temps l'explosion de la boule se fait juste à côté de l'adversaire, vous allez lui infliger un total de 185 de dégâts. Ce pouvoir peut détruire absolument tout sur son passage. Et la distance max est de 200 mètres avant que la boule explose. Petite information supplémentaire en foire d'empoigne, si vous gardez une charge sur vous avant de mourir, vous allez récupérer 3 charges en illimité. Pour le pouvoir technique vaudou, vous allez pouvoir infliger 190 de dégâts au total aux adversaires si vous arrivez à les toucher avec les 3 clous. Il fait 200 de dégâts contre les constructions. Donc ça veut dire qu'il peut one-shot tous les murs en bois et comme il a un effet de zone, il peut en détruire 6 d'un coup. Donc c'est très efficace contre les constructions en bois. Et la distance max est juste hallucinante parce que vous pouvez toucher un adversaire à 634 mètres maximum.